ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteur d'Allah. Allah nous a créés en ce monde pour nous éprouver et nous tester. Et il a dit dans le sens des versets, est-ce que les gens ont cru que nous allons les laisser dire nous sommes croyants et ils ne seront pas éprouvés? Et il a dit subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous tester, voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, nous allons certes vous éprouver un tant soit peu, par un peu de peur, et par la famine, et par la diminution des biens et des récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ceux qui, quand un malheur les touche, disent, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que se fera notre retour. Serviteur d'Allah, le musulman en cette époque où l'islam est devenu étrange et étranger est éprouvé en sa religion. Il est éprouvé par plusieurs sortes d'épreuves. Premièrement, il est éprouvé quant au fait de connaître sa religion claire comme elle se doit. Puis il est éprouvé dans le fait de la pratiquer. Et encore plus s'il est dans un pays étranger au pays de l'islam, où il sera vu comme un étranger et comme un élément étranger et bizarre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle aux étrangers. Il a dit « Touba lil ghuraba ». Touba, c'est le paradis ou une annonce d'une bonne nouvelle au paradis ou un arbre au paradis, lil ghuraba. Pour les étrangers, il a dit « Qui sont les étrangers ?» Avant cela, il a commencé en disant, bien sûr, le début du hadith, « Cette religion a commencé étrange et elle va redevenir étrange comme elle a commencé. » Alors annonce la bonne nouvelle aux étrangers. Il a dit « Qui sont-ils ?» Il a dit, ce sont ceux qui corrigent, qui arrangent ce que les gens ont corrompu. L'islam est venu pour arranger, pour améliorer, comme miséricorde et comme guider, et non pas pour corrompre, pourrir et détruire. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, ne corrompez pas sur terre après qu'elle ait été corrigée. Et Allah ta'ala a dit aussi, Wallahu la yuhibbul fasad. Allah n'aime pas la corruption. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été un exemple pour nous dans la manière dont il est venu avec cette religion de miséricorde et de guider pour l'humanité. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux jours, les musulmans en particulier et aussi les non-musulmans vivent dans une situation spécifique à cause de ce qu'il s'est passé de la part de certains égarés qui ne sont pas sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause d'une minorité de personnes dont on ne connaît pas réellement les motivations ou la personnalité ou quoi que ce soit, Allah seul sait qui est derrière tout cela. Quoi qu'il en soit, ce sont des moufsidines, ce sont des corrupteurs. Qui qu'ils soient, ce sont des corrupteurs. À cause de une, deux, trois personnes, ça a mis le trouble chez des millions de personnes. Et les musulmans, depuis deux jours, subissent des attaques. Et ils sont visés à cause de quoi? De deux fous ou bien de je ne sais pas qui est derrière ces deux fous-là. Est-ce que l'islam accepte ce genre d'acte? Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de respecter nos engagements. L'imam Shafi'i rahimahullah ramène l'ijma', le consensus des musulmans et des savants que si tu entres dans un pays de mécréants en sécurité, tu dois respecter cette sécurité-là. S'ils t'ont donné la sécurité, tu ne dois pas, en échange, toi, trahir leur sécurité et leur faire du mal. Qui qu'ils soient, même c'est des ennemis de l'islam. Puisque tu as un contrat avec eux, puisque tu as un engagement avec eux de respecter, ils t'ont donné la sécurité, tu l'as accepté, tu dois leur rendre la sécurité en échange. Le musulman, il ne trahit pas. Il n'est pas traître. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, avec Omar, avec Abu Bakr, avec Uthman, avec Ali, avec les meilleurs des compagnons, il entendait des insultes sur lui. Les compagnons entendaient des insultes sur lui, n'est-ce pas? Ils entendaient des insultes sur Allah. Ils voyaient les gens se prosterner devant les statues.
Est-ce qu'ils les ont combattus avec la main? Ils ont patienté et ils les ont appelés à l'islam de la meilleure des manières. Réfléchissez, ibad Allah. Les musulmans aujourd'hui en France sont une minorité, dans une position de faiblesse. Le seul rôle qu'on a ici, c'est de leur montrer la vérité de l'islam et d'appeler à l'islam et de patienter face aux difficultés qu'on rencontre. C'est tout. On ne peut pas avoir un autre rôle que cela. Il n'est pas permis, religieusement parlant, d'avoir un autre rôle que celui-ci. Ou bien, rentre dans les pays musulmans. Rentre dans ton pays et préserve-toi ta religion et ta personne et ton honneur. Walhamdulillah, walhamdulillah. Et d'ailleurs, la hijra était nécessaire avant, elle devient de plus en plus nécessaire. Donc, serviteur d'Allah, ce n'est pas en réponse à l'appel des ennemis de l'islam ou de je ne sais qui que les savants ou que les responsables religieux ont pris position et ont condamné ces attentats. On condamne ces attentats car ils sont contradictoires à l'islam. Comme on avait condamné les caricatures avant car elles sont contradictoires à l'islam. Ce n'est ni pour plaire à Zayd ou Ubayd ou à qui que ce soit, c'est pour plaire à Allah. Ce qui est conforme à l'islam, on dit c'est conforme à l'islam. Ce qui est contradictoire à l'islam, on dit c'est contradictoire à l'islam. N'en déplaise à qui vous voulez. Et c'est pour cela que les grands savants ont été questionnés. Ils ont dit l'obligation à tous les prédicateurs et à tous les imams, c'est de montrer que l'islam se désavoue de ses actes barbares. Et qu'ils enseignent cela aux gens. Et ce message doit être passé dans le cœur de tous les musulmans aussi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde parle. Les ignorants, ils parlent. Et ils ne rajoutent que de l'huile sur le feu. Ils vont sur les réseaux sociaux. Ils insultent les koufars. Ils insultent je ne sais qui. Et après, à la fin, c'est tous les musulmans qui prennent. Retiens-toi, ne parle pas sans science. Les gens qui ne sont pas dans la science, qu'ils se taisent. Qu'ils ne parlent pas. Tout le temps. Et encore plus dans les périodes de fitna. Et surtout n'écris pas, ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni les vidéos YouTube, ni je ne sais quoi. Tais-toi et attends d'entendre ce que les savants nous enseignent et pratique. Pratique l'islam comme il est. Pratique pas selon tes pulsions, selon ta haine, selon ta vision des choses que tu as appris dans ta cave. Car ceci revient à faire du mal à toute la communauté et à salir l'image de l'islam. Savez-vous, serviteurs d'Allah, que la France était un des pays où le plus de gens se convertissent à l'islam? Qui est gagnant de salir l'image de l'islam? Est-ce que c'est les musulmans qui gagnent dans ce genre d'affaires? Alors, serviteurs d'Allah, je vous conseille de craindre Allah, de vous attacher à votre religion, de ne pas écouter les perturbateurs et les égarés, surtout sur Internet. Surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Ne les laissez pas aller sur Facebook, sur YouTube, sur Internet. Et on patiente. Les gens, malheureusement, c'est des imbéciles. Ils écoutent tout ce qui se passe, tout ce que la télévision leur dit. Ils vont nous insulter, ils vont nous parler mal. Sinon, on répond à la violence par la violence, on va pas en finir. À la fin, ça va arriver où? Donc, il faut patienter. Hein, si des gens, parfois, ils vont balancer des mauvaises paroles, hein, tant que ça reste des paroles, passe. Car tu n'as rien à gagner. Et au contraire, montrer la bonne image de l'islam. Et comme là, Cheikh Obeid Jabiri, un des mashaykhs de Médine, a été questionné ce matin sur ce qui s'est passé en France. Il a dit... Dites à mes frères musulmans dans le monde, et surtout en France et en Europe, de montrer à leurs voisins, d'expliquer à leurs voisins parmi les non-musulmans que l'islam n'a rien à voir avec ça. Et que les savants de la sunna, les gens qui sont sur la salafia, ils ne sont pas comme ça. Au contraire, ce sont eux qui mettent en garde contre ces égarés et contre ces dérives. Et qu'un bon pratiquant ne peut être qu'un bon voisin de confiance et qui respecte ses engagements. Nous, on essaye d'être des bons musulmans, de bons exemples pour qu'on présente nos bonnes actions auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Waffaqan Allah wa iyyakum ma yuhibbu wa yardah. Wa qul rabbi zidni ilma.